Qui es-tu? Tu me connais? D'où viens-tu? S'il te plaît, tu dois arrêter maintenant. Tu ne peux pas t'ôter la vie comme ça, ok? S'il te plaît, tu dois arrêter maintenant. Peu importe ce que c'est. Éloigne-toi de moi, ne t'approche pas de moi. Viens, viens, non, viens. Non, ne me touche pas. Descends. Laisse-moi tranquille. Non, descends. Je dis ça comme tout. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Tu dois arrêter. Peu importe ce que c'est, tu ne dois pas t'ôter la vie. Ok? Éloigne-toi de moi. Peu importe ce que je fais, ça ne te regarde pas. Reste loin de moi. Où vas-tu? Éloigne-toi de moi. S'il te plaît, attends, nous devons parler. Attends. Hé, hey, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons parler. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, nous devons juste parler. Nous n'avons rien à nous dire. Éloigne-toi de moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pas jusqu'à ce qu'on parle. C'est très important qu'on parle de ce qui nous a amenés ici. S'il te plaît.
Précis que mes foules, nous n'avons rien à nous dire. Rien du tout. Attends. Hey. Qu'est-ce qui a bien pu l'amener ici? Il aurait dû attendre que je termine avec ma misérable vie avant de venir me distraire avec tous ces problèmes. Mes salutations, Onowu. Garde, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Onowu, il s'agit du prince héritier. Que se passe-t-il avec le prince héritier? M'a-t-il envoyé un message? Loin de là, Onowu. Nous ne savons pas où le prince héritier se trouve. Vous ne savez pas où il se trouve? Ah, où peut-il être? N'était-il pas au palais? Onowu, Oguna, le cueilleur de vin, nous a dit qu'il l'a aperçu ce matin. Et le prince héritier lui a dit qu'il préférait mourir que d'avoir le sang de deux vierges innocentes dans sa conscience. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Qu'est-ce qui ne va pas au juste chez lui? Ce garçon sait que c'est la tradition. Pourquoi est-ce que ce garçon nous rend les choses difficiles dans ce royaume? Et dis-moi, quand avez-vous remarqué sa disparition? Ce matin même, Onowu. Ce matin? Ce matin. Et d'après nos recherches, Onowu. Oui. Oguna, le cueilleur de vin, nous a dit qu'il a vu le prince héritier qui empruntait le chemin qui mène à la forêt maléfique. Quoi? La forêt maléfique? Oui, Onowu. Non. Ça devient incontrôlable. Écoute, va prévenir certains guerriers, toi y compris. Organise une recherche, il faut le retrouver immédiatement. Et rassurez-vous de le ramener au royaume. Onowu. Je m'en vais le faire sur le champ. Oui, fais-le sur le champ. Et que les dieux de nos ancêtres te protègent. Pourquoi est-ce que ce garçon nous complique les choses? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est quoi son problème? Ce garçon, ce prince héritier, il pense qu'il peut changer nos traditions comme ça? Ce n'est pas possible. Moi, Onowu, je ne peux pas être en vie. Et regarder ce garçon changer nos traditions. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, calme-toi. Je suis ici pour t'aider. Tu frissonnes. Je peux te donner mes vêtements, ok? Je vais bien. Éloigne-toi de moi. Non. S'il te plaît, mets-le. Tu en as besoin. Onye giga
Kosara. In this life, who knows tomorrow? In this life, now only God knows tomorrow. Whatever he says, that's what he will do. Who he will bless, is he will bless. My sister, put your trust in God. Oh, my sister, put your trust in God. Whatever he says is what we will do. Yeah. Get the remote, what are the Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre les bruits des pas. Des bruits de pas? Où? Tu as dû l'imaginer. Il n'y a personne d'autre ici. Juste nous. Peut-être. Mon prince, permettez-moi de vous demander. Que faites-vous ici? Vous dédiez être au palais. Et où sont tous vos gardes? Mon prince? Pour que tu m'appelles mon prince, cela veut dire que... tu es de Nanézi? Oui, je suis d'Anézi. Mon Dieu, et pourquoi veux-tu mettre fin à ta vie dans la forêt de Mosé? S'il vous plaît, ne me posez plus de questions. Je ne peux pas répondre à ça. Ok, dors juste, ok? Je vais surveiller. Qui es-tu? Qui es-tu? Montre-toi, que tu sois humain ou esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ça s'est tellement vite déplacé que je n'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. Montre-toi! Mais qui est là? Ok, qu'allons-nous faire? Rien. Retourne juste au coucher. Comment pouvez-vous me demander de retourner me coucher? Lâchez-moi. Prince Ikemefuna! Prince Ikemefuna! Votre Altesse! Votre Altesse! Prince Ikemefuna! Prince Ikemefuna! Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Altesse! Prince Ikemefuna! Votre Altesse! Ok, vous savez quoi les gars? Toi et toi, allez comme ça. Toi, tu viens avec moi. Prince Ikemefuna! Votre Altesse! Votre Altesse! Pourquoi étiez-vous éveillé toute la nuit? C'est une grande forêt où vivent beaucoup de créatures.
L'un de nous doit être éveillé pour veiller sur l'autre. Je ne vous ai jamais dit que je me souciais de ma sécurité. Si tu ne fais pas, je m'en soucie. Alors retournez à Anisi et ayez la paix. Vous ne deviez pas être ici en premier lieu. Paix. Tu parles de paix? Tu as vraiment l'air fatigué et affamé. Pareil pour vous. Ah, ok. Est-ce que vous retournez à Anisi? Non, je vais chercher à manger. Votre Altesse, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez commis une abomination à Anisi? Non, je ne l'ai pas fait. Alors, pourquoi est-ce que le prince d'Anisi veut se ôter la vie? Laisse-moi d'abord te chercher à manger. Je reviens, ok? Reprenez ceci. Tenez. Je reviens. Faites attention. Ikemma! 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 N'y a-t-il personne dans cette maison? Naï! Très bien. Bonjour. Bienvenue. Ikemma. Bienvenue, laisse-moi t'apporter une chaise. Non. Je t'en prie, je ne suis pas venu m'asseoir et je ne veux pas m'asseoir. Est-ce qu'il y a un problème? Quelque chose ne va pas? Bien sûr, il y a un problème. Où est ta fille, ma femme? Dis-lui de sortir, où est-elle? Je ne comprends pas. Comment? Elle n'est pas ici. Ikemma, dis-lui de sortir et de me suivre à la maison. Naï, honnêtement, je ne sais pas. Devant Dieu et les hommes, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma fille n'est pas ici, elle est chez toi. Elle n'est pas dans cette concession. Eh bien, parce que nous avons eu des petits problèmes hier, elle est venue en courant chez toi. Et toi, au lieu de la chasser, au lieu de la renvoyer, tu l'as plutôt gardée ici. Vraiment, je suis très déçu de toi. Mais pourquoi es-tu déçu? Je n'ai pas vu ma fille. Mais si je l'avais vue, je t'aurais appelé. Iborewano, tu veux dire qu'elle est sortie de chez toi? Bien sûr! Mon Dieu! Tout ça parce que j'ai demandé à ce qu'elle puisse m'ouvrir ma source et elle ne l'a pas fait. Et ensuite, elle a pris la fuite. Refuser de faire quoi? De me donner sa source afin que je puisse la ressentir. Hein? Et ensuite, elle s'est enfuie. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Et en plus, je m'attendais à ce que tu la fasses rentrer. Hein? Mais tu ne l'as pas fait. Honnêtement, pourquoi? Je ne sais pas, elle n'est pas ici. Je ne sais pas où. Elle a quitté ta maison. Où est-elle allée? Où est-elle allée? Ikemma, ne me déçois pas encore une fois. Va à l'intérieur et appelle-la. Ou alors, vous allez complètement me rembourser tout l'argent que je vous ai donné pour sa dot. Tout de suite. Naï, arrête. Va la chercher. Arrête ça, qu'est-ce que tu racontes? Baisse ta voix, ne laisse pas les gens entendre ce que tu racontes. Arrête de dire ça. Hein? Est-ce qu'une femme prend la dot dans ta communauté? Que veux-tu dire Pourquoi par là? Pourquoi est-ce que tu parles de dot? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de te donner cet argent? Et je te ne l'ai donné? Ne laisse pas, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Comment un aîné comme toi peut dire une chose pareille? Ok, l'argent que tu m'as offert ce jour, Gikore et Gouzer, je n'aime pas tu ce genre de truc. Je te le dis. Oui, tu m'as offert de l'argent. Tu m'as offert de l'argent. Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Va à l'intérieur et ramène-moi cette fille. Oh. Avant que je ne me mette pas en colère. Hey. Ne me fais pas crier. J'ai amené cette fille chez toi et tu me dis qu'elle n'est pas là-bas. Que ce ne soit pas que tu as fait quelque chose à cette fille. J'espère que tu n'as rien fait. Que ce ne soit pas que tu aies fait quelque chose à ma fille. Que rien n'arrive à ma fille. Je vais crier. Je m'en fous complètement de tes cris. Va juste lui demander de rentrer. Ou alors, vous allez me rembourser toute ma dot. Tu m'as offert de l'argent. Tu m'as offert de l'argent. Tu me l'as offert. Tu es une criminelle. Tu es une criminelle. Fais-la rentrer chez moi. Va me ramener ma fille. Va me ramener ma fille. Je ne sais pas ce que tu racontes. Je t'ai amené ma belle-fille. Va la ramener. Tu viens la demander ici comme si ce n'est pas chez toi que je l'ai laissée la dernière fois. Dis-lui de revenir rapidement à la maison. Bonjour. Bonjour mon prince. Bonjour mon prince. Comment vous allez? Nous allons bien. Qu'est-ce que le prince d'Anisi fait ici dans la forêt sans être accompagné par ses gardes royales? Disons que le prince s'ennuie au palais et a décidé de se balader. Je vois. Mais mon prince, s'il vous plaît, n'avancez pas trop.
Vous savez que c'est dangereux là-bas. Ok, merci. Ces ignames sont-elles à vendre? Oui, mon prince, c'est à vendre. Bien, bien. Mon prince. Vous pouvez Désolée. Prendre ceci, mon prince. Oh. Tu me donnes une tubercule d'igname? Oui, mon prince. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que le prince de notre royaume passe par ici. Et c'est une bénédiction que vous soyez en train de passer au moment où je récolte mes ignames. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie que les dieux de notre terre te bénissent avec ta moisson. Ici. Merci beaucoup. J'apprécie. Merci, mon prince. Mon prince! Mon prince! Mon prince! Prince Ikemefuna! Prince Ikemefuna! Les gars, vous êtes ici? Les gars, vous l'avez vu? Non. On a mouillé partout. Surveille bien tes arrières, surveille tes arrières. Prince Ikemefuna! Prince Ikemefuna! Je ne pense pas qu'il soit ici, je suis fatigué. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Vous devez faire attention. Ça ressemble à du sang humain. C'est du sang humain. Et le sang de qui ça pourrait être? N'est-il pas évident? Tu parles du prince héritier? Hey! J'ai bien peur aussi. Les dieux de notre terre, regardez! Hey, cela signifierait qu'il aurait été attaqué par un esprit maléfique? Hein? Ça pourrait être l'œuvre des animaux sauvages. Cette forêt maléfique est vraiment très dangereuse. Hein? Regardez la marque du sang. Ça mène à la forêt maléfique. Oui. Voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas faire marche arrière. Hein? On va suivre ces traces de sang et voir si nous pouvons retrouver son corps. Et que les dieux d'Anési le gardent en vie. Tu devrais aller devant, après tout, c'est toi le chef. Dirige-nous. Allons-y. Faites attention, faites attention. Très bientôt, ça sera prêt, ok? Où est-ce que vous avez eu cette igname? Quelque part. Quelque part? Oui. J'espère que vous n'avez pas... Qui vous a même donné cette boîte d'allumettes? Je veux que tu complètes ta phrase. J'espère que je n'ai pas fait quoi? Je le dis juste. J'espère que le prince ne l'a pas volé. Et quoi si je l'ai volé? Tu vas toujours le manger? Bien sûr que non. Ok. J'ai volé l'igname. Oui, parce que j'avais faim, je l'ai apporté pour que tu la manges, comme ça tu iras bien. Je ne vous ai pas demandé de voler quelque chose pour moi. Et il est hors de question que je mange cette igname. Hey, attends, attends. Je ne l'ai pas volé. J'ai rencontré une femme dans son champ et... elle me l'a donné. Ok? Vous en êtes sûr? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kemdilim. Ok. Donc... très bientôt, l'igname sera prête, ok? Il faut d'abord que je fasse... Alors, pourquoi ne pas lui avoir demandé de l'huile? Au moins, nous avons quelque chose à manger. J'ai vraiment très faim. Je sais. S'il te plaît, dépêche-toi. Mets ça dans le feu.
nous vous saluons, Onowu. Salutations, Onowu. Salutations, Onowu. Oui. Je vous salue également. Les soldats d'Annecy. Les défenseurs d'Annecy. Les guerriers d'Annecy. Soyez tous les bienvenus. Merci, Onowu. Je vous en prie. À voir vos visages. Il est très évident que tout ne va pas bien. Cela se lit sur vos visages. Maintenant, dites-moi, quelles sont les nouvelles? Onowu, cette nouvelle fera bouger des têtes et tous les yeux vont saigner. Oh. Où est le prince héritier? Nous avons toutes les raisons de croire que le prince héritier est déjà mort à l'heure où nous parlons. Hé! Hey! Abomination! Annecy! Hé! Hey! Abomination! Le prince héritier! Mort? Les dieux de notre royaume ne peuvent pas l'accepter. Bien. Vous pouvez partir. Je dois aller consulter les yeux des dieux. Partez. Allons-y. Partez immédiatement. Donc cette fille a le cran de s'enfuir de la maison de son mari? Quelle attente que je pose mes yeux sur elle, Oga Fukufiade, ni à la fou. Maman oh. Ewo. Hi, ma merveilleuse fille. Ma chère maman. Hi, bienvenue. Hi. Maman. Donc tu as décidé de rendre visite à ta mère aujourd'hui. Oui maman. Ok, wakema. Ma fille, comment va ton mari? Il va bien, il se porte bien, il t'a envoyé des salutations. Et maman, il m'a donné des cadeaux pour toi. Beaucoup. Hey. Dis à ton mari que j'ai dit que Dieu va le bénir. Amen. Et il est un homme très bon. Un homme très bon, maman. Je suis très heureuse d'être mariée à lui. Tu ne l'as pas épousé. Je suis contente que je l'ai poussé à t'épouser. Mm. Au lieu de cette minable, stupide, misérable fille de Kemdilim. Peux-tu croire que cette fille s'est enfuie de son foyer? S'enfuir? Jean est s'est perdu. Kakim Nawatago. Je ne sais pas ce qui va la pousser à s'enfuir de la maison de son mari. De toute façon, laisse tomber ça. Allons à l'intérieur. Bienvenue, ma fille, ok? Je ne vais pas te déranger maman, avec mes histoires. Maman, tu m'as manqué. Onowu! Hey! Dis-moi, avoir ton visage comme ça... En fait, en regardant ton visage... L'on pourrait croire qu'il y a une calamité au royaume. Dis-moi, qu'est-ce qui attriste ton cœur, Onowu? Hein? Ichizo Nobi, tellement de choses me tracassent. J'ai beaucoup de problèmes à cause de notre royaume. Mais Dieu me sait que je sais, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce qu'un homme sans tête peut-il porter une couronne? Onowu, ta question est très profonde. Tu parles maintenant par énigme ces jours. Hein, Onowu? Ichie Zodonobi. Hein? Dis-moi. Mon cœur est gros. Mon cœur saigne. De toute façon, je vais consulter le grand prêtre avant de convoquer une réunion d'urgence avec le conseil des anciens. Donc, c'est sérieux? Oui, très très sérieux. Écoute, je te reviendrai. Il faut que je parte. Vas-y doucement. Pas de soucis. Hein? Vas-y doucement. Pas de soucis, je te reviendrai. Vas-y doucement, no. D'accord, ça va, merci. Ando anisi. Oye si me kulo kusi me yelonu. Obuya ke ba mi yengeme. Hmm? Agbamu bweza ni olumo. Les dieux se révèlent à moi, je suis leur visage. Et voilà, tout devient clair, voilà, tout devient clair, voilà, tout devient clair. C'est comme ça que les dieux parlent. Osu? Hmm.
Osi si murungbo gaya gaya kupu mebe mnoro daya gaya babu mwo. Onya metelo dono di jia buru. Okotoro yeburu, yeburu, yeburu. Hey, dédié, je te salue. Ono, je te souhaite la bienvenue. Dieu des dieux, j'ai le cœur lourd. C'était évident, Ono. Car peu importe ce qui te dérange, ça pèse tellement et ça se ressent dans le sanctuaire du puissant Odo. Mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi, Ono. Pourquoi? Le prince héritier de notre royaume est mort. Ah, Outiéguan, tais-toi. Mais les guerriers ont dit qu'il aime... Ferme-la, Ono. Je t'ai dit de te taire. À moins que la rivière que tu ne connais pas ne crasse du sel autour de toi et t'engloutisse avec toute ta génération. S'il y a quelqu'un pour savoir si un truc pareil est vraiment arrivé, ce sera moi et Zani, le porte-parole, le communicateur. Je le saurai. Odo le puissant me dira exactement ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de toi. Ou encore, qui que ce soit à cet effet de venir dans le sanctuaire du puissant Odo pour me dire cela. Sois averti. Homme sage, serais-tu en train de dire que tout ce qui... Je suis en train de dire, Ono, que toi et toute autre personne dans ces villages n'avaient aucun droit de mettre les paroles dans la bouche des dieux. Ok, il n'y a pas de souci si cela est le cas. Je peux partir? Tu peux partir, Ono. Awesome. Salutations, Ono. Oui, Agu, bienvenue. Vous m'avez convoqué? Oui, je l'ai fait. Tu as dit que vous n'avez pas vu le corps du prince héritier. Oui, Ono. Nous croyons que l'animal sauvage qui l'a tué a dû manger toute sa chair. Ou alors, le même animal sauvage a dû amener son corps dans un autre village. Vous avez juste vu du sang? Exactement, Ono. Alors à qui appartient le sang que vous avez vu? Je n'en ai aucune idée. Comment es-tu sûr que c'est le sang du prince héritier? Ono, il est le seul qui a été déclaré perdu partout dans ce village. Et quelqu'un dit l'avoir vu se diriger vers la forêt maléfique. Ça doit être le prince héritier. Dans ce cas, je crois qu'il y a une confusion. Mais le grand prêtre n'a pas arrêté de dire que le prince héritier est en vie. Quoi? Oui! Il insiste qu'il est encore en vie. Le prince héritier est en vie? Oui. Ok. Il n'y a pas de problème, tu peux partir. Merci, Ono. Oui. Kamdilim, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi voulais-tu te suicider? Pas recommencer. Commence au tout début. Nous avons toute la journée pour en parler.
tout a commencé comme ça. Nkem Dilim, crois-moi, je ne sais pas te flatter. Tu es de loin la fille la plus belle de ce village. Hey! Continue de me flatter. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je te dis la vérité. Tu es tellement belle. Quoique ce ne soit pas uniquement ta beauté physique qui m'est attirée à toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers moi? Tu as un corps en or. Tu as un très bon cœur. C'est pourquoi très bientôt, je viendrai rencontrer ta famille pour te demander en mariage. Bonjour maman. Ah, Ogonna. Ma. Comment tu vas? Non, je viens. Assieds-toi. Nkem Dili m'a dit que tu voulais me voir. Oui, maman, je suis venue discuter d'un sujet avec toi. Adekwamma. Je vois à te voir beaucoup rire. Dark, laisse-moi finir ce que je faisais là derrière et okay, je reviens, maman. Ok? Merci beaucoup. Uh-huh. Ok, maman. Je reviens, ok? Merci, maman. Uh-huh, ok. Bienvenue. Mm. Mais oui. Ta mère est tellement une personne gentille. Regarde comment elle était sympa avec moi. Je crois qu'elle t'aime bien. Mm. Elle t'a accepté. Tu en es sûr? Oui, elle t'aime bien. Mmh. Elle t'aime bien. Ok, laisse-moi réfléchir. Comme elle m'aime, moi, cela veut dire que bientôt, je commencerai à l'appeler belle maman. Tu es son beau-fils. Je sais. Ah, regarde comment est-ce qu'elle a accepté notre relation. Ah, quelle bonne personne elle est. Oui, bien sûr. Nkem Dilim, viens là, viens là. Viens là, tiens-toi là. D'où est-ce que tu viens? Je suis allée l'accompagner en route. Idiote, chèvre, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est d'accompagner les gens en route et partout dans le village. Imbécile, idiote, je peux voir que tu t'es fait pousser des ailes dans cette maison, n'est-ce pas? Si je n'arrache pas ces ailes, hein, c'est que je ne suis pas ta mère. Donc c'est parce que cet idiot, ce misérable drogué... veut t'épouser. C'est pour ça? Je sais quoi faire. Ne t'en fais pas. Je ne voulais pas t'offenser. Fous le camp. Asemgiki, j'ai dit de dégager d'ici. Onyala, tu pars accompagner les gens. Bonjour, Mazi. Oh, Nkem? Je t'en prie, viens, ma fille. Hey! Oh, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Eh ben, je peux voir que tu vas bien. Tu vas vraiment très bien. Oh oui, ma chère, je ne veux vraiment pas te perdre le temps parce que je peux voir que tu es en train d'aller au marigot pour puiser de l'eau. Hmm? Je ferais mieux d'aller droit au but. N'est-ce J'espère pas, ma chère? Que tout va bien, monsieur. Eh ben, tout va très bien. Il n'y a absolument pas de problème, je t'assure. Au contraire, je suis ici pour te donner une merveilleuse nouvelle, une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est que... j'aimerais t'épouser. S'il te plaît, épouse-moi. Hein? Pardon? Oui, épouse-moi, je t'en prie. Vous voulez m'épouser? Oui, ma chérie. Tu vois, écoute... Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas possible. Non, écoute-moi d'abord, afin de voir d'où je viens, non? Hein? Je vais t'épouser et m'assurer de faire de toi une personnalité, une femme de valeur dans ce village. Tu ne manqueras absolument de rien. J'ai eu de l'argent et je voudrais le dépenser sur toi. Ouais, d'accord, ma chérie. Lâchez mon bras. Mais viens, non?
Viens me dire quelque chose, comme ça moi je saurai où j'en suis. Nkem, c'est moi, j'ai gagné de l'argent. Ces petits enfants, accepte-moi juste pour avoir de l'argent et améliorer ta vie. Je pourrais même creuser un grand trou pour toi. Hein? Ma chère, on dirait que je vais continuer. Ta. Maman, j'ai vraiment très faim. J'ai envie de manger quelque chose. Onyala, es-tu stupide? Tu veux manger quelque chose? Hein? Tu veux manger la nourriture que tu as cuisinée ou celle que tu vas cuisiner? Et tu... Est-ce que tu as rempli ces deux marmites-là derrière? Maman, je n'ai pas arrêté de travailler. Et c'est presque le soir. Regarde comment tu ressembles au repas du soir. Onyala! Maman, s'il te plaît, laisse-moi manger et après je continue. Hey! Okoleka, regarde, hein? Va là derrière et remplis ces marmites, sinon je vais te donner une leçon dans cette maison. Urubu et Mekulari. Maman, je ne devrais pas être la seule à puiser de l'eau dans cette maison, alors qu'on gozi qu'elle a à ne rien faire. Oh, bien. Oh, oh, oh. Ngozika, ton égal, n'est-ce pas? Tu vois le tonnerre qui n'a pas de nom, ce tonnerre va te foudroyer, te mettre en morceaux. Il a poil, là. Il est rimo mbokilari, wigetweri. Tout ce que tu manges va juste dans tes hanches. Dégage d'ici, maman, va me remplir ces marmites. Elle est là comme le repas du soir. Iribu Emekilari. Cette nourriture que tu réclames va juste dans tes hanches. Ces hanches qui deviennent plus larges. Allez, dégage d'ici. Tu as faim. Des conneries. Pourquoi maman est-elle devenue soudainement cruelle envers moi? Est-ce que je l'ai offensée d'une certaine façon sans le savoir? Peut-être. C'est parce qu'elle n'est pas ma mère biologique. Elle me fait faire tous les travaux de la maison maintenant sans que Ngozika, ma petite sœur, ne puisse lever le petit doigt pour m'aider. Et tout ceci a commencé le jour où Oguma l'a rendu visite pour demander ma main en mariage. Quand papa était en vie, elle ne m'avait jamais traité de cette façon. My sister, put your trust in God. Oh, my sister, put your trust in God. Whatever he says is what we will do. Hey, maman dit que tu ailles dans le champ des Inators. Rassembler tout le bois et le ramener à la maison. Et d'où crois-tu que je viens? Je viens de rentrer de la forêt des tickets pour ramasser ceci. Et tu me demandes de retourner à Ivinako? Qu'est-ce que tu fais à la maison, Ngozika? Pourquoi n'es-tu pas allé le chercher toi-même? Nkem, tu te disputes avec moi? Que se passe-t-il ici? Maman Dieu, merci, tu es là. Qui a-t-il? Je lui ai dit que tu as demandé qu'elle aille dans le champ des Inata, ramasser tout le bois et le ramener à la maison. Et elle a refusé et a commencé à se disputer avec moi. Se disputer avec toi? Oui. Se disputer pourquoi? Maman... Attends, Kem Dilim, tu te disputes avec elle? Parce que je t'ai demandé d'aller à Izineto pour ramasser du bois que elle nous avons. Elle voulait même me gifler. Ngozika! C'est ça? Maman, ce n'est pas vrai. Hein? Maman, je lui ai juste dit que c'est déjà la tombée de la nuit. Je ne peux pas repartir à Izineto pour chercher du bois. Onyaga Apogo, c'est Dieu qui va punir ta bouche. C'est presque la tombée de la nuit. Et je te demande d'aller me chercher du bois et tu te chamailles avec ta sœur. Maman! Attends, écoute. Si j'ouvre mes yeux et je te vois encore là que tu n'es pas allé... Me chercher du bois. Elle est partie. Ikaraga tirebati ne kakogoku.
Bonsoir, ma fille. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais au champ des Inator. Ma mère m'a dit d'aller chercher du bois. Du bois? Dans la nuit comme ça? Il se fait trop tard. Ne pars nulle part. Maman Goudi, ma mère va me tuer. Ma mère va me tuer si je ne ramène pas du bois. Ne pars nulle part. Ne pars nulle part, il se fait trop tard. Veux-tu recevoir la gifle des esprits? Non. Hein? Va dire à ta mère que je t'ai dit de rentrer. N'essaie plus jamais ça. Il se fait très tard. Rentre chez toi, je suis en train de te parler. Hein? Allez, rentre. C'est tellement dur. Très dur, celui-ci n'est pas sucré. Quand je le regarde, on pouvait l'utiliser pour faire du pop-corn. Oui, c'est bien pour du pop-corn. Mais c'est quoi ça? Regarde ça. Du vrai pop-corn. Des paresseux, ils ne savent pas comment briser du maïs. Je t'assure. C'est terrible. Mange celui-ci. J'ai perdu l'appétit. Kam Dilim. Maman. Où est le bois que je t'ai demandé d'aller chercher? Maman, j'ai rencontré Maman Goudili sur mon chemin. Elle m'a demandé de rentrer et qu'il se fait déjà très tard. Mensonge, elle est allée quelque part. Ok, tu l'as rencontrée, elle t'a demandé de rentrer. Pas de problème. Donc, elle t'a demandé de rentrer. Donc, les ordres de Maman Goudili dépassent les miens dans cette maison. Ola tuzi elebe makoya. Non. So boadero, watuzi so boadero. Aïe. Tu vois comme tu es rentré? Ne pense même pas à toucher à ma nourriture. Ne touche pas à mon eau. Et mette-la en komaka. Ne touche pas en fait. Couche-toi au sol. Ne touche à rien jusqu'au jour où Maman Okudili et toi organiserez une autre réunion et elle t'accompagnera à aller chercher le bois que je t'ai demandé d'aller chercher. Quand tu vas maintenant l'apporter, je te donnerai à manger, d'accord? Il n'y a pas de problème. Quand tu vas à la cuisine, ne touche pas à ma marmite. Il n'y a pas de problème. Sois la bienvenue. Bienvenue. Mais tu peux partir. Tu es encore placée là? Il n'y a mon yotchou. Méchante fille. Tu es sûre qu'elle est allée quelque part? Elle est possédée. Je ne sais pas où elle est allée. C'est une sorcière. Aïe! Retire les cheveux blancs, les cheveux blancs. Ils sont beaucoup sur ta tête. Comment c'est possible? Fais attention, ne blesse pas maman. Ugonna. Maman? Hey, comment tu vas? Ma, je vais bien. Bonjour, maman. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Ugonna. Je suis venue rencontrer mon amour. Il ne m'a même pas regardée. Comment tu vas, mon amour? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle mon amour? Je vais bien. Je le sais. Ça crève les yeux. Tu es tombée par terre. C'est tellement évident. On dirait que tu es encore très occupée. Maman? Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit la nuit dernière? Oh, oui. Oh, Ugonna. Maman? Laisse ma tête. Quand tu vas rentrer, tu vas continuer de retirer. Ugonna, s'il te plaît, prends soin de ma fille, d'accord? Tu peux compter sur moi. Vous pouvez partir. Tu vas continuer à ton retour. Je prendrai vraiment soin d'elle. Tu s'il peux compter te plaît, sur prends moi. Elle soin. Est la seule et l'unique. Je vais bien m'occuper d'elle. Tu peux compter sur moi. Actuellement. Merci, maman. Très bien. Maman, tout à l'heure. Ma chère, Gozi. Merci, maman. Bye-bye. Prends soin de toi. Gozika. Bye-bye. Maman, laisse-moi finir ça. Elle est surprise, elle pensait qu'Ugonna lui appartenait. Toi là, hé. Continue ce que tu fais là-bas. Lave-le très bien, oh. C'était très beau ensemble. Maman, laisse-moi continuer. Ugonna, je te parle. Nkem Dilem. Ugonna, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Ugonna, comment tu fais comme si tu ne savais pas? Tu étais chez moi hier. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je suis venu prendre ta sœur Ngozika pour l'emmener. Et qu'est-ce qui se passe entre toi et ma sœur Ngozika? Rien.
Rien, rien du tout. Mais, si ça t'intéresse tant que ça, elle est celle dont je veux prendre la main, et non toi. Ogona. Ogona. Toi, soulève tes mains. Soulève tes mains et ferme tes yeux. Mela Kagwela Oso. Maman. Ferme tes yeux. Nona. Non, maman. Je vais te... En fait, porte ce seau. Porte le seau. Soulève-le. Hé, loup. Tiens ça comme ça. Je vais te... Ferme tes yeux. Je vais te donner une bonne leçon dans cette maison. Tu vois cet habit que tu portes? Tu ne vas pas changer d'habit dans cette maison pendant un mois. Idiote, tu ne porteras plus ces vêtements. Maman, tu n'oses même pas. La ferme, soulève. Allez, la ferme, idiote. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de ces vêtements. Maman, je n'ai pas assez de vêtements, s'il te plaît. Ne brûle pas mes vêtements. Maman, s'il te plaît. Maman, ce n'est pas de ma faute. J'ai juste glissé. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas assez de vêtements. Pourquoi Ogouma m'a-t-il laissé tomber pour ma petite sœur? Tout a changé après qu'il soit venu voir ma mère. Le comportement de tout le monde a subitement changé. Pourquoi est-ce que tout le monde me traite comme une exclue? Ma sœur m'a arraché, mon fiancé. Et ma mère l'a ouvertement soutenue. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour mériter ce mauvais traitement de ma famille? Quoi? Eh wow, ma bonne amie. Hey, aïe. Bonjour. Bonjour aussi. Comment tu vas? Je vais bien. Je vois que tu es en train de sortir. Non, oui, je vais rendre visite à ma fille Ngozika, celle qui vient de se marier. Oh, Dieu merci pour toi, oh. Je suis contente pour toi, oh. Je suis contente pour moi-même. Tu sais, c'était comme une blague. Comme un jeu, comme une blague, oh, Mechaga. Et qu'en est-il d'un Kemdilim? J'ai entendu qu'Ogona voulait l'épouser, mais il a fini par épouser ta fille Ngozika. Est-ce que c'est vrai? Hai, tu n'es qu'aimé. Ndia sera kokonozo. Donc, tu écoutes les ragots? Kimanouyariyabiyako. Tu donnes les offrandes à l'église, on va parler. Tu donnes ta dîme, on va toujours parler. Donc tu t'assois toujours pour écouter les bêtises. Ha, hey! S'il te plaît, ma chère, ne les suis pas dans ces bêtises. Parlons de quelque chose qui va nous donner la joie au lieu de penser à ces personnes commères qui n'ont rien à faire de leur vie. Où est-ce que tu vas aussi? Je vais voir mon ami, oh. Ok, salut, au revoir. Ok? Nkemdilim! Nkemdilim! Maman. Attends, Nkemdilim. Ma. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu vas partout dire aux gens, en fait, gâcher le nom de ta sœur, en disant que l'homme qui est venu l'épouser était censé venir t'épouser? Alors pourquoi tu gâches son nom parce qu'elle s'est mariée avant toi? Maman. N'est-ce pas? Maman, je... Je n'ai pas fait un truc comme ça. Vas-tu la fermer? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu vas encore là-dehors et raconter des bêtises sur mes filles, oh, Dieu aide-moi. Dieu va te foudroyer à mort. Ne sais-tu pas que les hommes te fuient? Maman... Ne sais-tu pas pourquoi les hommes te fuient? Parce que tu es un enfant maléfique. Au moins, Moussou, Uchou. Maman, je te promets... La ferme. Ferme-la. Le mauvais esprit en toi chasse les hommes. Que je te vois encore... Maman... Si tu dis ça encore sur mes enfants... Maman, je suis désolée... Essaie-le encore, c'est un fum. Tu sais, tu le sais très bien. Je te préviens, oh. Je te préviens que j'entende encore. N'importe quoi. Nanyo. Hmm? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce tu que sais, c'est? Tu sais que tu as déjà été marié 4 fois. Mais tu n'as jamais vécu avec aucune de tes femmes. Pourquoi ça? Oui, eh bien...
c'est toutes des histoires bien différentes. Hmm? C'est une longue histoire. Mais okay, je t'ai dit de voir ce que tu peux faire pour m'aider. Hein? Parce que si tu réussis à m'aider, je vais te récompenser de la plus grande des manières. Essaie juste de m'aider cette fois-ci, ok? Tu sais, tu vas faire quelque chose avant que je ne t'aide. Mm-hmm. La seule chose que tu vas faire pour moi qui va me pousser à t'aider est que... tu vas devoir payer la dot et tout le reste des choses chez moi en cash. Ça ne sera pas du tout un problème. L'argent est déjà là. Toi, aide-moi juste à la convaincre de m'accepter. Qu'elle accepte la proposition et il n'y aura aucun problème. S'il te plaît, ne te dérange plus. Elle sera ta femme. Ok, je te crois. Naï, attends. Nkem dilim. Nkemo dirim. Maman, j'arrive. Maman, tu m'as appelée. Nkem dilim. Ma. N'as-tu pas vu Mazi et Kago ici? Bonjour Mazi et Kago. Merci beaucoup. Nkem, comment tu vas? Je vais bien, merci. Nkem? Ma. Mazi ici est venue demander ta main en mariage. Oui. Et j'ai déjà accepté. Alors je veux que tu sois une bonne fille. Va à l'intérieur et emballe tes choses. Pour partir chez lui et devenir sa femme. Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il est maintenant ton mari, point final. Simple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maman, juste comme ça. Oui, juste comme ça. Qu'est-ce que tu attends encore? Je ne vais jamais l'épouser, maman. Je ne vais jamais l'épouser. Écoute, je ne t'ai même pas appelé ici pour demander ta permission. Hein? Je t'ai appelé ici pour t'informer qu'Akera Gugu, pour te dire qu'il a déjà payé ta dot. Tu n'as pas ton mot à dire. Jamais, maman. Alors maintenant, il est ton mari. Et... jamais. Je ne vais pas l'épouser. Non, jamais. Attends, Emma, s'il te plaît. Laisse-la. Non. Laisse-moi donner une bonne leçon à cette fille. Je ne peux être impolie envers sa mère, sorcière. Pourquoi? Laisse-la. De toute façon, ne te dérange même pas. Ne t'en fais pas, je sais comment la prendre. Okay. Je vais l'amener chez toi moi-même. Laisse-la tranquille. Je vais l'amener chez toi, ne te dérange pas. Quand je vais partir d'ici, j'irai à la maison et je reviendrai pour payer sa dot complète, ainsi que toute autre chose nécessaire pour les préparatifs du mariage. Ce n'est pas un problème, ne te dérange pas, c'est une petite affaire. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Bien sûr, quelle question. Hey, je vais rentrer à la maison avec elle pour la chouchouter. Hey, Naï. Si elle me le permet, j'irai même jusqu'à laver son corps afin Léo. Que son teint soit révigoré. Je te fais confiance, Naï, ne t'en fais pas. Je te fais confiance. Elle est bonne, très bonne d'ailleurs. Ouais. Je ne peux pas attendre. Je sais, je vois ça sur ton corps. C'est rien, je oui, vais l'amener. J'ai vraiment hâte. Je vais le faire, je vais venir. Merci. Ugowai. Hein? Maintenant, tu as une nouvelle femme. Aya, gobago quoi? Agua buccione. Hey, lekpa. Omeriko kui. Hey, Naya. Ugowai. Hey! Je t'ai amené ta femme. Ouais, eh bien, vous êtes déjà là, mesdames. Oui. Maman. Bien. Est-ce que tu peux la fermer? Oui. Il a déjà payé ta dot. Simple. Alors, il est maintenant ton mari. Chekema. Légalement marié. Ouais. En fait, à partir d'aujourd'hui, tu vas venir ici agir en tant qu'épouse. Tu viens, tu nettoies ici le matin. Tu nettoies là, c'est maintenant ta maison. Exactement. Tawi diguru nulogi. Laisse-moi te prévenir que rien n'arrive et que tu ramènes tes pieds dans ma concession. Cette concession est la maison de mon mari. Exactement. Alors reste dans la maison de ton mari. Ouais. Ne viens pas chez moi parce que si tu le fais, tu connais ta mère. Je vais te retirer en vie. Tu sais de quoi je suis capable. Tu me connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la! Tu devrais me dire merci. Ouais. Hein? Ouais. Ne me laisse pas voir. Si ce sont pour tes affaires, laisse Léo. Va mettre quelque chose de bien pour ton mari. Allez. Reste là-dedans et attends-le, il viendra prendre soin de toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? La ferme! Gonwani, gadi! Oh, Aswalum gafok today! Tu es sérieuse? À l'intérieur! Va à l'intérieur! C'est ta maison! Que c'est le chez toi! Ici? Tu devrais me dire merci! Oui, ne vas-tu pas rester pour prendre un verre? Naï, c'est bon. Ça mérite d'être célébré. Non, c'est bon. Ime woye! Oh, 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 yeah, oh, oh, Gonwani, nema, inyaka, nemema! Hey! Ojo, regarde, j'aime ça et je peux te dire quelque chose. Hein? Mm.
Laisse-moi encore te réassurer une fois de plus qu'un Kem ne vient pas du tout ici chez moi pour souffrir. Le peu qu'elle a souffert quand elle était chez toi, ça suffit maintenant. Laisse-moi te dire, si c'est à cause de ses affaires qu'elle compte un jour partir de chez moi, eh ben, je vais personnellement l'amener au marché. Et je vais m'assurer qu'elle achète tout ce qui est nécessaire, même ces choses-là. Ok, les soutifs. Exact. Donc, tu as ces affaires, tu vas acheter de nouveau. Laisse. Hey, tu vas acheter les soutifs. J'ai perdu Ogona et Ebuka à cause de mes petites sœurs. Ma belle-mère m'a forcée. Elle m'a forcée dans la maison de Mazi Kagou. Un homme assez vieux qui pourrait être mon père. Pas juste qu'il était plus vieux que moi. Je ne l'aimais pas. Il a essayé de me violer plusieurs fois. Pas une fois. Ni deux fois. Oh mon Dieu. Tu as traversé tout ça? J'ai passé une nuit chez lui. Et cette nuit est un enfer. Parce qu'il a continué à essayer de se forcer contre moi. Mais j'ai juré. J'ai juré que je préférerais mourir que de le laisser réussir son coup. Hier, il est rentré. En ayant l'air ivre et puant, il a essayé de me violer. Mais j'ai réussi à m'échapper. Et j'ai couru jusqu'à cette forêt. À ce moment, je me suis fatiguée de ma vie. Et j'ai décidé de mettre fin à cela. Je n'avais personne à qui parler. J'ai été submergée par l'impuissance. Je ne savais pas quoi faire à ce point. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Écoute. Je suis ici pour toi maintenant. Personne ne va plus jamais te blesser. Je te le promets. Mais je pense que tu ne devrais pas retourner chez ton père maintenant. Et je voudrais que tu restes très loin de ta belle-mère. Mais la question est où? Vas-tu aller d'ici? Je vais devoir quitter ce village immédiatement. Voilà la meilleure option. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Je vais aller à Modouno. Idounou est loin. Est-ce que tu as de la famille là-bas? Oui. La grande sœur de mon père vit de ce côté-là. Elle est là-bas. Ok, je vais t'amener là-bas. Mais s'il te plaît, promets-moi que quand tu arriveras là-bas, tu ne laisseras personne savoir que je suis le prince héritier du royaume d'Anézé. Je te le promets. Mais je me demande toujours pourquoi le prince héritier d'Anézé voudrait se suicider. Pourquoi veux-tu te ôter la vie? Bien. Je pense que pour le moment, nous devons juste manger et nous détendre. Là, je te dirai plus sur moi. Je vais te donner plus d'ignam. Est-ce que tu vas bien?
Tu es déjà fatigué? Ok, ce que nous allons faire, c'est de nous reposer sous cet arbre. Et nous allons continuer plus tard, ok? Est-ce que nous sommes près de Modono? Je vois qu'ici c'est... Icheke. Nous avons encore 3 villages à traverser pour arriver à Modono. Bien. S'il te plaît, arrête, ok? S'il te plaît, allons de ce côté. Je suis fatiguée. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ok? Ça va aller. Désolé. Voici leur maison. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Mais fais attention. Mais est-ce que tu les connais? Bonjour, Né. Bonjour, Né. Mes enfants, comment allez-vous? Nous allons bien, Ma. Nous allons bien. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour vous? Mais je m'appelle Ikemdilim Okuncha, la fille de Ilonka Okuncha, ton frère. Et voici mon ami, Ikemefuna. Hey! Hey! Okuncha, mon frère. Ah! Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Oui, je te connais. Je t'ai vu la dernière fois, quand tu étais bébé. À cette époque, je n'étais pas aveugle. Sois la bienvenue. Assieds-toi. Merci, Né. Assieds-toi. Sois la bienvenue. Merci, Né. Alors, c'est ton ami? Son nom, c'est Ikemefuna, le fermier d'Amézi. Oui, Né. Sois le bienvenu, mon fils. Merci. Merci, Né. Je perçois la royauté. Je perçois la royauté. Je perçois la royauté. Comment puis-je être sûr que Mazi et Keagu me dit la vérité? Comment suis-je sûr qu'il n'a pas tué Nkemdilim et disposé son corps dans la forêt maléfique? Aïch, Timon Kinkamsiama. Cet homme est maléfique, Ntari Salima Nkio. Imagine la façon dont il a tué Udoka Aika, le fils de Aguyi. Bien sûr, je sais que je suis une mauvaise personne. Mais Mazi Keagu est pire. Hey, il a épousé 5 femmes. Mais aucune d'elles ne vit avec lui. Hey, oh, Timo, donne-moi la grâce. Oh. Hey. Seigneur. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais quoi dire, je suis aussi surpris. Parce que... les guerriers ont dit qu'ils ont vu un vêtement taché de sang humain. Mais n'ont pas pu retrouver le corps. Mais ils ne sont pas sûrs que le sang soit celui du prince héritier. J'avais peur. C'est possible. Parce que le prince héritier est le seul qui a disparu dans ce village. Mais ce qui me déconcerte, c'est que le grand prêtre continue de dire qu'il est encore en vie. Bien sûr, il n'y a que le grand prêtre qui connaît quand le roi ou le prince meurt. Oui, sans doute. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est encore en vie? Où est-il maintenant, Ono? Dis-nous.
Si tu me le demandes, à qui vais-je demander? Je ne sais pas. Voilà la situation à laquelle nous faisons face maintenant. Nous avons des ennuis. De gros ennuis. Et nous devons agir le plus tôt possible. Je te salue. Oui, Ekemar, comment tu vas? Naï, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu marches librement comme si tout allait bien, même comme tu sais que tout ne va pas bien? Comment es-tu aussi libre et confortable à propos de cette affaire? Donc, si tout ne va pas bien, tu vas t'attendre à ce que je reste enfermé et que je ne marche plus? Est-ce bien ce que tu me dis? Naï. Pourquoi? Naï, as-tu vu Kem Dilim? Bien sûr que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas du tout vu. Mais je sais, et je crois que quel que soit l'endroit où elle est, elle doit être confortable. Qui sait? Elle s'amuse peut-être bien là où elle est. Mais je sais que, lorsqu'elle sera fatiguée, elle reviendra. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment que tu sais où se trouve cette fille? Hein? Écoute, Naï, que ce ne soit pas. Je dis que ce ne soit pas. Que tu l'aies peut-être utilisée pour l'un de tes rituels. Makaku kwa siagaki siagagali nokunyo wasiude. Je ne comprends pas. Ekema, regarde Naï, que ce ne soit pas que tu l'as utilisé parce que si tu l'as utilisé pour l'un de tes rituels, how? Mon Dieu qui est au ciel, je vais te donner la honte. Je leur parlerai de toutes tes œuvres maléfiques. Ekema, vas-tu arrêter avec ces bêtises? Arrête ça maintenant. Arrête ces bêtises. Tu crois que tout le monde est comme toi? T'es devenue folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Maintenant, va. Mets-toi à sa recherche, tout comme moi aussi je suis en train de la chercher. Mais au contraire, si tu manques de la ramener chez moi. Parce que je t'ai bien payé. J'ai même payé plus, que ce que tu as demandé, 10 fois plus encore. Fais-la revenir chez moi. Sinon. Aïe, va ramener cette fille, oh. Ne l'utilise pas pour des rites. J'en ai terminé avec toi. Je sais ce que je suis en train de dire. Que ce ne soit pas que tu l'aies utilisé, oh. N'y pense même pas, oh. En fait, je sais ce que je suis en train de dire, oh. Je te préviens, oh. Je te préviens. Tu crois que tout le monde est comme toi? Je vais crier. Tu crois que tout le monde est comme toi? Je suis en train de te dire, va chercher ma fille, on va se reparler. J'ai dit que je veux revoir ma fille. Je n'ai rien d'autre à te dire. Hey! Le repas sera bientôt prêt. Merci. Laisse-moi t'aider. Mon enfant, je connais mon chemin ici. Ce n'est toujours pas ma maison. C'est ma maison, je le sais. Tu es sûr? Oui. Mon enfant, comment vas-tu? Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Je peux le percevoir, tu ne vas pas bien. Honnêtement, Nobu, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein? Je ne sais pas ce que Mazi et Keagu a fait à ma fille. À Mamu no Yomereno, et ma fille a commencé à le suivre. Ce qui me dérange le plus n'est même pas son mode de vie. Mais il ne se dérange pas du tout à propos de la disparition de ma fille. Il passe son temps à boire du vin de palme et à faire ses activités normalement, librement et avec joie, comme si rien n'était arrivé. C'est là où j'ai un problème. C'est ça qui me dérange. Tu me dis la vérité? Pourquoi je viendrai vers toi pour mentir? Hein? Kegige, c'est Batorogase. Et pourquoi n'en as-tu pas parlé depuis tout ce temps? Hein? Cela fait 2 jours maintenant que ta fille a disparu. Et c'est maintenant que tu le dis. Tu as resté silencieuse. Oh non, ce n'est pas ça. Je croyais qu'elle est allée voir l'une de ses copines et que le lendemain, elle reviendrait. Mais elle n'est pas revenue. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça. La question devait être, qu'est-ce qu'elle fait chez Mazi Kiagou? Voilà ce que je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il lui a lancé un sort. Ils ont commencé à vivre ensemble, juste comme ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Commencer? Quoi? Vivre avec qui? Et avec lui, ensemble. Ça devient sérieux. Il faut absolument faire quelque chose. Ah oui, c'est pour ça que je suis venue chez toi. Ok, j'irai personnellement chez Mazi Kago. Ok. Et lui demander sa version de l'histoire. Merci. Ça fait 2 jours maintenant que ta fille a disparu. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui. Et tu n'as rien dit à personne. Hey. Bah non, c'est pas sérieux. Non. Je vais m'occuper de ça. C'est pourquoi je suis venue te voir, je sais que tu es un homme bien.
Merci. Oh non, où est sa suite? Vous avez décidé de venir ici aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Merci. Ah, oui. Cette façon par laquelle tu as défié la pluie et tu es venu ici, ça doit certainement être important. Très, très important. Tu as bien deviné. Néo, permets-moi d'aller à l'intérieur et de t'apporter un autre verre. Comme ça, au moins, tu pourras me rejoindre dans ma joie. Ah, non. Merci, mais c'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça. Ah. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour boire du vin. Ok. Merci quand même. Vraiment, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Mais alors, que me vaut l'honneur de cette visite? N'est-ce pas? Je ne dirais pas ça. Comment se porte ta famille? Ils vont bien. Ils vont bien. Ils viennent juste de sortir. D'accord. Et la tienne? Oui, ils vont bien. Eh bien, je peux le voir sur ton visage. Il radie. Oui. Sois la bienvenue. Merci. Ekago. Oh non. Ekema. Oui. La femme du défunt Mazi Iloka. Iloka, oui. Oui. Est venue me voir. Et s'est plainte que sa fille a disparu. Sa fille est un Kemdilim. Et la façon dont la nouvelle se répand, ton nom est mentionné. Alors j'ai décidé de venir te voir face à face afin que tu me donnes ta version. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Eh bien, Ono, rapidement. Je dois féliciter tes efforts. Voilà ce que tu es censé faire en tant que Ono d'année ici. Tu as bien fait, mais le problème c'est que rien ne s'est passé. C'est juste que la jeune fille s'est enfuie de ma maison. La pauvre fille s'est enfuie? Oui, elle s'est enfuie de chez moi. Comment tu réussis à la convaincre pour qu'elle vienne vivre avec toi? Convaincre? Je ne l'ai pas du tout convaincu. Eh bien, j'ai payé sa dot chez sa mère. En fait, je l'ai épousée. Oui. Vraiment? Elle est ma femme. Tu veux dire que tu as payé sa dot? J'ai payé sa dot chez sa mère qui s'est chargée de l'amener personnellement ici chez moi. Elle ne m'a pas parlé de cette histoire de mariage. Tu vois, c'est pour cela que j'ai décidé de venir te voir. Ce qu'elle m'a raconté est complètement différent de ce que tu viens de me dire. Ok, dis-moi, aurais-tu entrepris de la chercher? Oh non, je l'ai cherchée presque partout. À une limite que ma force peut supporter. Oui, mais ça n'a abouti à rien. La pauvre fille s'est juste enfuie. Hein? Ok. Ce qu'on va faire, c'est d'organiser une recherche de patrouille immédiatement. Ainsi, je vais informer le conseil afin qu'il nous rejoigne immédiatement. Eh ben, si cela sera meilleur, alors je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est bien. Fais ça pour moi, hein? Fais ça pour moi et voyons si on peut savoir où est-ce qu'elle se trouve. Elle me manque vraiment beaucoup. C'est ma femme. Je comprends. Tu dis que tu ne bois pas? Ça, c'est du très bon vin. Non. Merci, c'est gentil. Ok. Mon frère, écoute, il faut que je te laisse maintenant. Passe le bonjour à d'accord, ta famille. D'accord, fais pareil. Ok. Passe une bonne journée. Merci. Mm-hmm. J'apprécie vraiment. Oh oui, Jaguar. Mm-hmm. Tu veux dire que Ekema et tes sœurs t'ont fait tout ça? Oui, né. Hey! J'ai failli commettre un suicide. En fait, j'étais sur le point de me ôter la vie. Si ce n'était pas mon ami, Ikeme Funa. Je comprends ton état. Je comprends comment tu te sens, ma fille. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour toi de prendre ta propre vie. Parce que si tu le fais, tu seras aussi coupable qu'elles ne le sont. Et même plus encore. Mais, je suis désolée. J'étais engloutie par le désespoir. Elle me déteste tellement. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'est pas ma mère biologique. Elle n'était pas comme ça quand mon père était encore en vie. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ikema,
Oh, quoi mon oncle Gbemana. Oh, wow, qui Gbemana. C'est à elle que j'en veux. Quand ta mère est morte, après t'avoir mise au monde, ton père a insisté qu'il voulait épouser Kema pour qu'elle vienne prendre soin de toi. À cette époque-là, je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit non, mais il n'a pas voulu écouter. Il ne voulait pas écouter. Il n'y a pas de problème, mon enfant. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu es ici. Hmm? Merci, maman. Femme, tu m'as dit que ta fille avait disparu. Mm-hmm. Mais tu as omis de me dire que Mazi Kago a épousé ta fille. Hey! Comment? Épousé comment? Hein? Il a attiré cette fille avec du charme. Mwamko Simeya, Mwogogu. La fille a disparu. Moi, mariage, comment? Comment? Quoi? Tu vas la fermer? Hein? Comment se raconter des mensonges contre moi en ma présence? Quel mensonge? Et non, pas là. Quel mensonge! Ok, s'il dit qu'il a payé la dot, qu'il a épousé ma fille, qu'il l'a accompagnée. Nkedi Sueva Loya. Attendez une minute. De quoi sommes-nous en train de parler ici? Hein? De quoi sommes-nous en train de parler ici? Nkem Dilim est notre fille. Mbam. Hmm? Et je suis le chef de cette famille. Merci. Comment peut-elle se marier sans ma connaissance? Merci. Comment est-ce possible? Ape. Mazi Kagou, as-tu payé la dot de Nkem Dilim? Je te l'ai déjà dit, oui, j'ai payé, c'est chez elle que j'ai payé. Je l'ai fait. Quoi? Hey, Jésus, oh, niama matineke matineke beleligwe. Dites-moi si je me trompe, est-ce que les femmes reçoivent la dot? Pas du tout, ce n'est pas possible. La négocie, ya. Ok, kwense si yalouna ok madou. Comment? Ah, Dieu merci. Ikagou, tu me fais honte. On a pourtant de cacher ton visage de honte. Tu es là à raconter des blablabla. Cher Popibo, est-ce que les femmes reçoivent la dot de leur hein? Oh. Laisse-moi te dire. Écoute, nous te donnons 2 jours. Oh non. Pour retrouver cette fille. Sinon, oh, tu devras assumer les conséquences. Ah, ah. Mazi Kago, tu as dit que tu as payé. À qui est-ce que tu as payé? Ujoya. Je dis que j'ai bel et bien payé la dot chez Kema. Si elle... Je la ferme, je peux le jurer devant les dieux. La ferme. Mazi Kago, écoute, tu me fais honte. On n'a pas le temps de cacher ton visage de honte. Oh. Tu es là à parler, paka paka. Tu empires ta situation. Laisse-moi te dire, chez le peuple beau, une femme ne prend pas la dot de sa femme. Pam. Écoute, nous te donnons 2 jours. Oui. Pour amener cette fille. Sinon, tu assumeras. Nous allons la bannir de ce village. Parce que ton comportement avec les femmes est bizarre. Mon mari m'a offert de l'argent. Oh, voilà. Il m'a juste offert de l'argent. Nous y voilà. Ça, c'est toute une chose différente. Il m'a juste offert. C'est toute une chose différente, je veux dire quelque chose ici. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ceci est un piège. Et je commence à voir des complices parmi vous tous. Ige Risega, Inyuaya, Ika Bare Kobarobo. Ike ya, Oga Bayo, Enene. Ikagou, si tu l'as offert de l'argent, voilà. Ou peu importe la raison, on s'en fout. Merci. Hein? N'appelle pas sa dot. Uh-huh. Car selon notre tradition, nous savons comment la dot est payée. Oui. Bam. Ne veux pas nous dire que tu as payé la dot d'une femme. C'est comme ça que ça se passe dans ce village. Merci les anciens. Elle ferait mieux de savoir pourquoi est-ce que je m'appelle Ikeago. Hein? Dans ce village d'Anissi. Alors, comme ça, elle pense qu'elle peut m'humilier, moi, Ikeago, et s'en sortir, ce n'est pas du tout possible. Mbanom, boro moi. Je vais bien m'assurer d'en finir avec elle. Je vais bien ouvrir grandement ses jambes devant le public. C'est pas vrai. Moi? Hein? Ikagou! Mais, mi fouet! Elle ne s'en sortira pas. Hey! Wande Madou? Non. Odogou Weke? Le plus grand. Je suis venu parce que le volcan est en éruption. Hey! Arumega! Mazi Kago. Odogou. Tu as l'air troublé.
Bien sûr, je le suis. Adindou est la seule eau qui éteint tout feu. Parle-moi. Qu'est-ce qui t'a amené dans mon sanctuaire? Avant d'aborder ce sujet, je t'en prie, mon frère Adindou, je veux que tu renverses tous les charmes que tu as fait pour Ekema à travers moi. Je veux que tu les retournes tous immédiatement. Tu parles des chances d'amour? Oui. Retourne-les. Considère que c'est fait. Bien. Oui. Je sais que tu en es capable. Je vais te dire. J'ai été humilié par une simple femme. Une femme ordinaire m'a humilié dans ce village d'Anansi. Et je me suis dit, je tais-toi et je te fais confiance. Personne ne joue avec la queue du lion. Vrai. Peu importe ce qui t'a amené dans ce sanctuaire, c'est fini. Hey! Odogu. C'est vrai. Le tout puissant en personne. Yeah! Le puissant chasseur. Tu es le seul homme puissant qui s'habille pour une occasion. Mon letoué. Ogi boulei à partir de 12 heures. C'est dans les records. Il faut mimiser. J'aimerais te demander. Quoi? Il y a un truc que j'ai entendu sur toi. Ce que tu as entendu sur moi? Oui. Vas-y, dis-moi, de quoi s'agit-il? Écoute, j'ai entendu les gens le dire au marché que tu as payé la dot d'une fille à sa mère. Regarde. Prends bien ceci comme un dernier avertissement. Si je ne savais pas qui tu étais vraiment, j'aurais utilisé cette arme contre toi. Idiot. Donc c'est toi? Tu les as rejoints? Tu commences maintenant à écouter des ragots? Je suis très déçu de toi, vraiment. Très très déçu de toi. Prends cela comme un dernier avertissement. Mais c'est plus jamais ça une prochaine fois, sinon... Tu sauras bien pourquoi je m'appelle Ikeago. Idiot, dégage de mon chemin, il faut le compte ici. Calomniateur, continue à raconter des ragots. Mais dis-moi ce que j'ai mal fait. Écoute, on en parle partout dans le marché, je ne suis pas le seul à le dire. Le grand prêtre a dit qu'il est encore en vie. Oh non, où est-il? Personne ne sait. Oh non, c'est très étrange. Comment est-ce que le prince héritier du royaume d'Anésie peut disparaître? Juste comme ça. C'est bien ça le problème. Comment peut-on vivre dans un royaume sans roi? Quelque chose doit être fait. Bien sûr. Le prince héritier a disparu. Mais nous avons besoin d'un roi. Nous avons besoin d'un roi. Alors, que faisons-nous? Je l'ai dit, nous avons besoin d'un roi. Vous me demandez encore? Nous devons rencontrer le grand prêtre. Il faut qu'il consulte les dieux. Les guerriers qui sont à sa recherche sont déjà épuisés. Ils sont épuisés. Oh non, Ils sont épuisés. Tu as raison. Qu'es-tu en train de faire dans ma maison? À qui est-ce que tu parles? Tu es la sœur d'un Kemdilem. À
qui est-ce que tu parles? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, Kem Dili est ma soeur. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire chez moi? Explique-moi, mais pourquoi tu es en train de me donner à manger? Parce que tu es mon mari, mais c'est quoi cette question que tu me poses? Tu es une menteuse! Je ne peux pas être ton mari! Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es mon mari! Et tu as payé ma dot! Impossible! Je ne peux pas être ton mari! Quand t'as épousé? C'est quoi cette question? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions stupides? Attends, on va éclaircir tout ça. Qu'est-ce que tu dis qu'on faisait? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Que faisons-nous là? Écoute, si ceci est l'une de tes stupides blagues que tu as l'habitude de faire, alors arrête avec parce que ce n'est pas drôle. Ça ne l'est pas. Seigneur. Tout ceci n'est pas normal, c'est clair. Comment est-ce que j'ai fini avec Ngozika au lieu de Nkem Dilem? C'est d'Nkem Dilem dont je suis amoureux. Nkem Dilem est l'amour de ma vie. Comment, quand l'ai-je marié? Je l'ai épousé. Moi? Non. Ceci n'est pas vrai. Ngozika! Ngozika! Tu vas partir du... Ngozika! Je ressens la royauté. Je ressens la royauté. Maman, qu'est-ce que tu dis que tu ressens? Oh, tu es ici? Oui, je suis là. Et mon ami est là également. Né. Mon fils, sois le bienvenu. Maman, laisse-moi t'aider. Doucement. Alors, Né, qu'est-ce que tu dis que tu ressentais? Je ressens la royauté. Royauté? Oui. Mais comment est-ce que tu peux ressentir la royauté? Maman, tu l'as dit la première fois que nous sommes arrivés et j'ai cru que tu voulais nous faire rire. Et tu l'as dit aujourd'hui sans savoir que nous étions assis là. Alors, je suis curieuse. Dis-moi, comment est-ce qu'on ressent la royauté? Ma fille... Tu sais, parfois on ne peut pas toujours donner des explications adéquates à certaines choses. Mais tout ce que je sais, c'est que je ressens la royauté et c'est tout. Maman, je pense que tu ressens autre chose. Parce que, à ce que je sache, on ne peut pas ressentir la royauté. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire... Que je ne sais pas ce que je dis. Tu veux dire que je ne sais pas ce que je dis? Non, maman, ce n'est pas... Maman, je suis désolée, mais ce n'est pas... Né. Je suis de la royauté. Ah, je l'ai dit. Je suis le prince héritier du royaume d'Anésie. Ah, je l'ai dit. J'ai dit que je ressentais la royauté. Mais, qu'est-ce que le prince héritier du royaume d'Anissi fait chez moi? Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Où est-elle? Ngozika! Ngozika! Ok, enfin je te retrouve. Écoute, tu es mon mari et tu as payé ma dot. Justement, tu me dois une explication! Parce que je ne me rappelle pas t'avoir épousé! Tu ne m'intéresses pas du tout, figure-toi! Est-ce que tu t'écoutes même? Tu t'entends parler? Écoute, je sais pourquoi tu fais tout ceci, c'est parce que tu veux prendre une seconde. Tu n'es pas ma femme! Ngozika, tu n'es pas ma femme! Je ne me rappelle pas t'avoir épousé! M'aurais-je pu épouser quelqu'un comme toi, comme Dilem? Tu ne peux pas être ma femme! Je suis ta femme! Tu ne peux pas je être suis ma ta femme et tu es mon mari. Moi?
Tu racontes du n'importe quoi. Tu racontes des sottises. Tu vas partir de ma maison. Je n'irai nulle part. Tu vas partir de ma maison. Je n'irai nulle part. Parce que je ne me rappelle pas t'avoir épousé. Il n'y a aucun moyen que je t'épouse. Regarde, tu vas partir de cette maison aujourd'hui. Ok, je n'irai nulle part. Viens là, tu vas partir de cette maison. Laisse-moi tranquille, je ne vais nulle part. Ça, c'est la maison de mon mari. Tu vas partir de cette maison aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu... Écoute, tu vas partir de cette maison. Non, mais qu'est-ce que c'est que tu... Je ne vais nulle part. Vas-y, tiens. Allez, dégage. Vas-y. Vas-y, tiens. Tu ne peux pas me faire ça. Repars avec tous tes bagages. Ne t'avise plus jamais de remettre les pieds ici. Tu penses que je suis un idiot, c'est ça? Où est-ce que c'est? Tu ferais mieux de revenir et prendre ces bêtises. Tu veux me tromper, c'est ça? Quand t'es-je marié? Pourquoi t'aurais-je épousé? J'aurais laissé Mankem Dilem pour t'épouser toi. Tu crois que je suis en train de blaguer? Donc, tous les deux, vous êtes allés dans la forêt pour vous suicider? Oui, ne. Pourquoi? Né, c'est une longue histoire. Une longue histoire? Je veux que tu me racontes tout. Raconte. J'ai tout le temps. Je peux t'écouter. Vas-y, dis-moi. Je voulais me suicider parce que je ne vais pas devenir le roi d'Anissi. Tu ne veux pas devenir le roi d'Anissi? Hey! Si ton défunt père entend ça, il va se retourner dans sa tombe. Il va se retourner. Tu es le seul fils de ton père, j'imagine. Oui. Ne crois-tu pas que si tu meurs, la royauté ira dans une autre famille? C'est exactement ce que je veux. Voilà mon souhait. Mais... ils disent que ça ne peut pas encore être possible tant que je suis encore en vie. Mon fils, pourquoi ne veux-tu pas être le roi d'Anissi? Pourquoi? Né, la tradition veut que quelque temps avant mon couronnement, que deux vierges soient sacrifiées avant que je ne devienne roi. On le fait parfois. On le fait souvent. Ça arrive. Comment je vais passer ma vie ayant dans ma conscience que deux vierges innocentes ont été sacrifiées juste pour que je devienne roi d'Anissi? Non. C'est encore mieux pour moi de mourir que de regarder cela arriver. Mon fils, je vois que tu es un... tu es un grand homme et tu as un très bon cœur. C'est pour ça que tu ne voudrais pas que ces vierges meurent pour que tu deviennes roi. Mais est-ce que tu crois que t'ôter la vie aurait résolu le problème? Te suicider ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. Si tu t'étais suicidé, la royauté serait allée à une autre famille. Et je te dis que cette famille ne va pas arrêter la tuerie des vierges. Ils allaient continuer de tuer les vierges. Ils allaient continuer. Je sais. Et c'est pour ça que je ne veux pas être celui-là à le faire. Mon fils, tu ne peux pas t'enfuir de tes problèmes. Tu ne peux pas. Tu dois affronter tes problèmes comme un guerrier. Oui, affronte tes problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Rentre chez toi. Rentre et deviens le roi du royaume d'Anissi. Mais né, cela voudrait dire tuer deux innocentes vierges. Mon fils, il y a des moments dans ta vie quand tu prendras des décisions qui sont très pertinentes.
et de fortes décisions. Tu sais qui nous sauvera aussi. Oui, fais-le. Comme ça, ces vierges, pendant ce temps, ne te poseront pas de questions dont tu ne peux pas répondre. Elles diront, qu'est-ce que tu as fait pour arrêter cette tuerie? Alors vas-y et fais-le. Mais il n'y a rien que je ne puisse faire. Bien sûr qu'il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu dois devenir le roi du royaume d'Anissi. Tu le dois. Il y a une calebasse secrète. Brise-la avec la main gauche. Et quand tu le feras, aucun autre roi qui te succédera ne sera capable d'instituer ces sacrifices de vierge. Mais comment tu suis pour la calebasse secrète et comment la briser? Je suis peut-être aveugle physiquement, mais spirituellement, je ne suis pas aveugle. Pourquoi moi? Qu'en est-il de tout? Le dieu d'Anézé, est-ce qu'ils vont venir après moi pour avoir aboli la tradition du peuple? La tradition a été instituée par un roi. Et elle doit être abolie par un roi. Alors vas-y, fais-le. Fais-le. Mon fils, fais-le. Fais-le. Chimwe imarama wesi. Ngozika. Qui est-il, Ngozika? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu portes ton sac? C'est Ugona. Ugona a fait quoi? Ugona m'a mis hors de sa maison. Il doit être un blagueur. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Il dit qu'il ne sait pas qu'il a payé ma dot, que c'est Kemdili qu'il voulait épouser. Oh, ce gars raconte des bêtises. Je vais porter ce... Écoute, je vais ramener ce sac dans cette maison. Il va rester marié à toi et tu vas rester dans cette maison pour toujours. Maman, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Comment? Ce n'est pas mon mari, il n'est pas lui-même. Il m'a menacé de ne plus poser mes pieds dans sa concession. Tu aurais dû voir la colère et la haine sur son visage. Maman, c'était flippant. Je ne peux pas retourner là-bas à moins qu'il vienne me chercher. Est-ce que tu as dit haine et colère? Oui, maman. Femme, que puis-je faire pour toi? Homme sage, les charmes que tu as préparés pour mes filles ont perdu leur puissance. De quels charmes est-ce que tu parles? Les potions d'amour. Oh, ça me revient maintenant. Homme sage, en ce moment même, mes filles sont à la maison. Elles ont été mises hors de leur foyer. Mais homme sage, tu m'as promis que ces potions d'amour allaient durer pour toujours. Le charme que je t'ai donné était censé durer pour toujours. Alors que s'est-il passé? Femme, va et parle à Mazi Ikagu. Va et parle-lui. Est-ce que tu as dit Mazi Ikagu? Tu m'as bien entendu, femme. Merci, homme sage. Naïe Kiago. Naïe Kiago, je suis venu te voir. Je veux te voir. Je suis déjà ici, devant toi. Est-ce que tu ne me vois pas? Dois-je me lever? Naïe, je veux te demander. Qu'est-ce qui est arrivé au charme que tu m'as donné pour mes enfants? Mesilia. Ok, c'est pour ça que tu es venu? Oui. Ah, ok. Tu aurais dû amener ce problème devant le conseil des anciens. Va et dis-leur que l'homme qui a épousé ta fille était sous l'emprise d'un charme.
Mais Ikeago a été capable de briser le charme. Oh. Va, ça Nai, aurait plus Nai, de sens. Nai, pourquoi tu fais ça, non? Hein? Oh. Aïe. Keke buruburu jeta ziegake. Je peux voir que ta mission est de nous détruire, ma famille et moi. Omakagini zike ni femmeki. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu as déjà pensé ou imaginé que tu peux me ridiculiser? Je veux dire, me faire passer pour un objet de caricature dans notre village d'Aninsi et t'en tirer comme ça? Bah non, 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 ce n'est pas possible. Et ça ne va pas du tout être possible. Non. D'accord? Le charme dont tu parles. Je t'ai amené chez Adendo le sage et j'ai payé pour tous les charmes, souviens-toi. Je t'en prie. Et à cet effet, je crois que j'ai tous les droits de repartir chez Adendo et lui demander de détruire complètement ses charmes. Et c'est ce que j'ai fait. Hey! Ils sont détruits totalement. Nai, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai fait détruire. Hey! Nai, bois-moi, tu m'as tué. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi es-tu aussi insensible? Aïe! Mon Dieu va te punir. Tu vas mourir d'une mort misérable. Tu es très méchant. Tu es un homme méchant, misérable et cruel. Mon Dieu va te punir. Hey, remercie Dieu. Remercie Dieu. Plus que ça. Je remercie Dieu pour Ujo. La potion d'amour que tu lui as donné de donner à cette femme n'a pas marché. Je me demandais si ça avait marché. Tu mourras d'une mort misérable. Ouya, tu es un homme inutile. Tu mourras malheureux. Tu sais quoi? Je vais te réduire en morceaux. Ferme-moi. Homme inutile. Que je la ferme. La ferme. Inutile. Tu verras, tu vas le payer. Regardez la personne qui souhaite à quelqu'un d'autre une mort misérable. Est-ce que t'es pas déjà morte? Aquatique. Tu es déjà morte. Hein? Akbati Moulaon. Zo Moulaon Nezizi. Biaka Mouankanou. Tu comptes sur mon argent. L'argent que je t'ai payé. Et tu voulais voir si tu pouvais encore t'en sortir. Ce n'est pas possible. Drungongwandia Nera. Je n'ai pas encore commencé. Abaniri Ebwanya. Imna Okakano. Wenya Birigane Yawana. Wedegaï. Hey! Kenechuku nonu lolu ebube, kenechuku lonu kenecheke lonego. Iwo, wole ebube. Je crois qu'il est temps. Il est temps que je retourne à Anesi. Malheureusement, je dois retourner pour devenir le roi. Je te souhaite tout le meilleur. Prends bien soin de toi. Et sois très prudent. Tu vas me manquer. Tu n'auras pas du tout à me manquer parce que tu vas venir avec moi. Non. Je ne peux pas venir avec toi. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Je ne peux pas. Écoute, ma chère. Tu vas venir au palais. Il y a tellement de chambres au palais où tu vivras. Ok. Mon prince. Bonjour, mon prince. Bonjour, Ago. Dis à Lanowu de venir me voir immédiatement. Très bien, mon prince. Qui est là? Onowu? 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 Mes salutations, Onowu. Un problème? Onowu? Oui. Le prince héritier désire votre présence au palais tout de suite. Le prince héritier? Oui. Il est rentré? Oui, Onowu. Je remercie les dieux de notre Exactement. Royaume. Exactement. Exactement. Bien, retourne-y et dis-lui que je suis en chemin pour venir le rencontrer. Ok. Hein? Je vais le voir immédiatement. Ok. Je vais me changer. Ok, on est où? Non, ne perds pas de temps. Le prince héritier vous attend. Dieu de notre royaume. Merci, le prince héritier est de retour. Merci infiniment. Mon prince. On sait que tu as changé d'avis.
À propos de Viège, tu vois un peu, tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai changé. Je vais discuter de cela avec Agou, le chef de garde. Ah, c'est bien. Dans ce cas, je dois informer les faiseurs de roi, afin de trouver un jour pour ton couronnement. Très bien, donc. Oui. Mon prince, la fiancée est à tes côtés. M'a l'air assez familier. Mais je ne me souviens pas de là où je l'ai rencontré. Et bien l'aide de ce village. Notre village? Oui. Elle est la fille du défunt Iloka Ikonta. Ah! C'est bien elle qui aurait disparu. Eh bien, comme tu peux le voir, elle n'est pas perdue. Ma fille. Monsieur. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Sois la bienvenue. Je dois partir maintenant. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit, monsieur. Merci. C'est bien. Naï. Ah, Ekema. Naï. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue te voir. Hein? Naï, s'il te plaît, je veux te supplier pour quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Je veux que tu m'aides à supplier Adendo. S'il peut préparer quelque chose, elle aimait, s'il peut juste le faire. Comme ça, mes filles pourront retourner dans la maison de leur mari. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'ai dit que c'était quelque chose de très simple. Merci, je savais que tu allais le faire. Ouais. Merci, merci. Ouais. Mais alors, la condition attachée à ça, c'est que tu dois faire revenir ma femme. Ramène-la juste à moi, Ekema. Et c'est tout. Ça, c'est le problème que j'ai. Depuis que cette fille a quitté ta maison, je ne l'ai plus revue. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fouillé, cherché partout. Allez, Molly à Baleb. Mais... Peut-être que quand tu auras terminé avec ceci, Adendo Mechaya, de là, je pourrai encore trouver un moyen. Kachowaka. Oh. Bien, je viens juste de te conseiller. Ramène-la vers moi. Et tout sera bien fait. Eh bien, le moment que je la verrai, c'est très simple. Comme tu peux le voir, je dois assister à une réunion très importante. Je vais te revoir. Tu es sûr que tu ne veux toujours pas visiter la maison de ton père? Non, pas encore. Tu es toujours en colère contre ta mère? Je veux dire, ta belle-mère. Non, je lui ai pardonné il y a longtemps de cela. Je ressens juste que ce n'est pas le bon moment d'y aller. Ok, si tu le dis. Mon couronnement est dans 4 jours. Je suis tellement contente pour toi. Merci. Ils ont dit que ce jour doit être assise à mes côtés, une reine. Oui, je suis au courant de ça. Je veux que tu deviennes cette reine. Deviens ma femme et dirigeons ce royaume ensemble. S'il te plaît. Ngozika.
Ngozi, maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas mangé ta nourriture. Ok, tu n'aimes pas Laura. Je peux aller te chercher une autre sauce. Maman, je n'ai pas faim. Tu es stupide. Donc, tu veux te laisser mourir pour un homme qui ne sait pas ce qu'il veut? Il a peur, il dit mais les Meggy. Hein? Qu'est-ce que tu... Eh wow! Ah ah! Bonjour. Mon prince, bienvenue. Hey, nous avons des chaises. Non, s'il te plaît, ne te dérange pas pour les chaises. Nous n'allons pas maintenant. Nous? Oui. Je suis venu ici pour vous donner une petite information. Hey! Kem Dilim, où étais-tu? Tout ce temps, j'ai prié, jeûné, j'ai fouillé de partout. Regarde comment tu m'as laissé, regarde. Où étais-tu? Kebiga. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Tu as dit nous? Elle réside maintenant dans mon palais. Palais? Comment? Et je veux aussi t'informer que je veux l'épouser. Tu veux... Comment, votre Altesse? Maintenant, nous devons partir. Vous partez déjà? Comment aussi vite, un Kem Dilim? Mais tu viens juste d'arriver. Oh. Ah. Comment? Je savais que quelque chose n'allait pas quelque part. Je veux dire... Ogoma m'a abandonné et s'est marié avec ma petite sœur. Et maintenant, il va pas tout raconter que c'est moi qu'il était censé épouser. Comment est-ce que tu vois ça? Je pense que ma mère sait quelque chose à propos de ça. Est-ce que tu suspectes qu'il a été manipulé? J'ai toutes les raisons de la suspecter. Je vois. J'ai peur. De quoi? J'ai peur de te perdre. D'accord. Je vais créer du temps pour aller voir les émois. Tu n'as pas à t'inquiéter. Détends-toi. Qu'est-ce que tu dis? Naï, je sais où est Kem Dilim. Vraiment? Oui. Où est-elle? Elle est au palais. Au palais? Mais, que peut-elle bien faire là-bas? Le prince héritier a dit qu'il veut l'épouser. Non! Cela ne peut pas être possible, c'est impossible! Naï, le seul moyen pour que ce soit impossible, c'est que tu fasses quelque chose rapidement. Parce qu'ils viendront payer sa dot le prochain jour du marché des quais. Alors, si tu es encore intéressé par cette fille, fais quelque chose rapidement. C'est ce que j'ai à dire. Bien évidemment que je suis intéressé. Elle est ma femme, après tout. Hey! Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oui. Nous allons repartir chez Adendo. Allons-y. Hey! Un cobra! Hey! Regarde-le! Retournons. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Essayons. Essayons de prendre un autre chemin. Non, on doit rentrer. Allez, viens. Allons par là. Et en plus, le voilà encore. Le voilà encore. C'est toujours le même cobra qui sort de la calebasse des ancêtres. C'est le même cobra. C'est un mauvais signe. Non. C'est un mauvais signe. N'allons nulle part. Même si c'est 20 cobras, je vais voir Adendo aujourd'hui. Je verrai Adendo aujourd'hui. Naï, s'il te plaît, rentrons. Hein? Jamais. Hein? Jamais. Allons-y, continuons. Que je te suive? Allez, suis-moi. Aïe! 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 Thank you.
Oh doux le puissant, je suis ton regard. Mais qu'est-ce que je vois? Oh Yegu! Grand sage, que leur est-il arrivé? Ces deux-là ont été mordus par le cobra sacré. Le cobra sacré de la calebasse des ancêtres? Exactement. Le cobra sacré ne fait du mal à aucun fils ou fille d'Anisi. À moins que la personne ne conspire contre la famille royale. Tu as raison, prince Kimefuna. Est-ce qu'il conspirait contre la famille royale? Uzikatane Bouyagbamia. Onye me karenye buru. Ces deux conspirait de te charmer, toi, le prince du royaume d'Anesi. Ces deux-là étaient en mission de te demander d'épouser l'une de ses filles. Celui-ci qui est couché à côté d'elle était sur le point d'épouser la jeune fille que les dieux avaient choisie pour le prince. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de leur cadavre? Le cadavre appartient à la forêt maléfique. On devrait les amener dans la forêt maléfique. Mon amour. Waouh. Tu aimes? Juste en regardant, je baffe déjà. Tu aimes? Oh, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, mange. Tu aimes? Oui. Inkem, vas-y, mange. Ouf. Tu insistes toujours à m'appeler Inkem. Tu sais, les étrangers penseront que tu es méprisante en appelant ton mari de cette façon. Je continuerai de t'appeler Inkem parce que tu es ma force, ma vigueur et mon pouvoir. Même quand tu deviendras le roi, je t'appellerai toujours Inkem. Parce que tu es ma force. J'ai failli me suicider dans la forêt. Et tu es apparu de nulle part. Et tu es devenu ma force. La vie est tellement imprévisible. Le prochain jour du marché des quais, tu deviendras le roi du royaume d'Anesi. Et moi, la reine d'Anesi. J'aurais aimé que mes parents soient en vie. Pour voir ce jour. Mon amour, tout arrive pour une raison. Tu ne dois pas t'inquiéter, je t'assure qu'ils sont très contents pour toi, où qu'ils soient. Pour ça, j'en suis sûr. Mon prince, j'aimerais rendre visite à ma sœur. J'aimerais spécialement l'inviter pour la cérémonie de couronnement. Je n'ai aucune dent contre elle. Elle est ma sœur et je l'aime encore. Je crois que peu importe ce qu'elle a fait, c'était la volonté de ma mère. S'il te plaît, laisse-moi partir. Honnêtement, je ne cesse jamais de me surprendre. Je suis content que tu n'aies aucune dent contre elle. Je sais que tu as un bon cœur. Merci, Inkem.
Merci, mon prince. Ah. Ok, mange ta nourriture maintenant. Mange ta nourriture. Ok, ok. Ouh là là. Ah. Tu l'aimes? On peut commencer? Bien sûr. D'accord, très bien. Faisons-le. Évidemment, bien sûr. Moi, Onowu, du royaume d'Annecy, je te couronne roi, ici troisième du royaume d'Annecy. Avec cette corne, tu régneras. Que ton règne soit long. Igwe! Allez, c'est Kwenu. Hey! Kwenu. Hey! Wanu. Hey! Wenu. Hey! Wanu. Hey! Zanu. Hey! Igwe! Merci beaucoup, mon peuple. Peu importe ce qui manquera dans le royaume d'Annecy sera accompli durant mon règne. Maintenant, allons tous au palais pour la célébration. Ikemifuna, roi du royaume d'Annecy, vis longtemps! Studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What?